Nous comparons le Portugal à un grand malade, assisté de deux médecins. Le premier médecin a essayé de lui faire la transfusion du sérum de la raison. Mais le Portugal se montre allergique à ce sérum de la raison. Et le deuxième médecin, c'est celui qui estime que seule une intervention chirurgicale s'impose. Cette intervention chirurgicale, c'est les combattants de la liberté qui, après avoir essayé le sérum de la raison, ce dialogue que le Portugal demande et pour lequel le Portugal ne veut rien entendre, que les combattants de la liberté se sont résolument engagés dans la voie de la libération nationale, contre laquelle aucune armada, aucune force ne peut rien. Et ici, c'est l'occasion de l'affirmer plus que jamais pour que le Portugal l'entende.